c'est le temps de l'escourgeon. Les blés, c'est pas encore pour tout de suite. Ouais. Mais pour l'instant, on bat les escourgeons. Ils sont toujours plus mûrs plus vite que les blés. Pour les chevaux principalement et un peu pour les veaux aussi. Il y a 1,5 hectare d'escourgeons. Ça, c'est pour stocker et après pour l'aplatir et le donner à manger aux animaux. On sait faire 1,5 hectare à l'heure. Logiquement, une surface comme celle-là, en une heure, je peux l'avoir fait, mais il y a les détourages où on perd plus de temps. Il faut qu'il fasse sec pour rentrer du grain sec, parce que si on rentre du grain humide, pour nous concernant, ça risque de chauffer, on risque d'avoir des problèmes. Et pour quand on livre, que ce soit du blé ou de l'orge, après on a des pénalités si on ramène du grain trop humide.